Ça y est, on y est, avec Totoro, on est arrivé en Chine. Enfin, les concerts commencent à s'enchaîner. On dort à l'hôtel, on prend des taxis, on prend des trains, on prend des avions, on prend des navettes. Tout ça à un rythme assez soutenu. Ça s'arrête vraiment jamais, mais pour l'instant, c'est vraiment cool. C'est la première fois pour la grande majorité d'entre nous qu'on va en Asie et surtout en Chine. Et à part quelques images d'Épinal, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On a vu quelques Chinois avec des chapeaux pointus et transporter des légumes avec des bambous sur les épaules. Bon, ça c'est bon, c'est fait. Mais sinon, le reste, c'est assez dingue. On se rend pas vraiment compte de ce qu'on voit tous les jours. On découvre également en même temps les villes chinoises qui sont complètement hallucinantes. On traverse pendant 1 heure à 100 km/h les villes et ça s'arrête jamais. Il y a des gratte-ciels à perte de vue qui sont tous collés les uns aux autres, des néons partout. Et bizarrement, les rues sont pas tant que ça remplies de monde. C'est parce que c'est tellement grand que ça nous paraît complètement idiot. On a l'impression d'être dans Blade Runner tous les jours. On se demande où s'arrêtent les villes et où commencent les villes voisines. On a l'impression que la Chine, c'est qu'une énorme ville. Point. On va passer 3 semaines les uns sur les autres. Non pas qu'on n'ait pas l'habitude, mais c'est quand même quelque chose à faire. On se connaît bien maintenant, on connaît nos habitudes. On sait pourquoi on se déteste, mais on sait pourquoi on s'aime aussi maintenant. Donc tout se passe bien pour l'instant de ce côté-là. Le public chinois a l'air assez disparate entre le midi festival qu'on a pu faire où tout le monde sautait dans tous les sens et puis d'autres salles où le public était vachement plus réservé, c'est-à-dire qui bouge pas vraiment et qui dit pas un mot pendant les morceaux. Et quand c'est le moment d'applaudir, c'est la fête pendant 4 secondes, pas plus. Et après, c'est reparti dans un silence absolu. Du coup, ça rend les quelques moments d'accordage intermorceaux un peu longs, mais ça reste quand même drôle. Et puis vient le moment de la fin du concert où soudainement tout le monde veut un rappel alors qu'on pensait qu'on avait fait un beat total. Donc c'est très drôle. C'est un moment assez intéressant en tant que groupe à vivre.